Hello les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec un site qui m'a contacté. J'ai été très étonnée parce que ils m'ont proposé un partenariat et m'ont dit un peu comme un partenariat avec Cara Art qu'ils avaient vu ma chaîne. Et donc à chaque fois ça m'étonne. Comment on arrive à voir, enfin qu'ils arrivent à aller voir leur chaîne. Alors peut-être qu'on est inscrit, j'en sais rien au niveau du nombre de vues et tout ça. Donc je sais que j'ai battu un record de vues, avec mon souci sur ma toile d'ac. Donc du coup, peut-être que je suis passée en tête, j'en sais rien. Donc du coup, ils m'ont contacté. Alors ce partenaire, il s'appelle BBCraft. Donc c'est un site qui fait, qui vend beaucoup de petits accessoires pour faire des loisirs créatifs liés avec la couture, des perles, du montage de bijoux, et ils ont un petit peu diamond painting. Donc du coup, moi je suis allée plus sur le diamond painting puisque c'est ce qui me ressemble le plus. Donc je vous donne aussi cette information, c'est que j'ai appris que cette chaîne, si vous avez 100 abonnés, vous pouvez aller sur leur site et du coup, vous pouvez vous inscrire et pour faire un partenariat. Voilà, donc je trouve ça très bien. Allez-y voir, je vous mettrai de toute façon le lien du site. Ils ont été méga rapides, je crois. Du moment que j'ai validé, j'ai même pas eu le colis en 8 jours. Il est arrivé le jour du réveillon, le 24. Et j'avais dû, je crois, confirmer... je ne sais plus si c'est le jeudi ou le vendredi d'après. Ça n'a même pas mis 5 jours puisqu'il y avait le week-end entre temps. Donc méga rapide. Alors on va ouvrir. On fera plusieurs petites vidéos parce qu'ils m'ont demandé de faire différentes vidéos. Donc voilà. Donc je ne sais plus ce que j'ai pris. Donc il y aura au moins déjà deux vidéos, c'est sûr. Celle-là. Ah oui, je sais ce que j'ai commandé. Alors, j'ai craqué pour ça. Donc, d'ailleurs, il y en aura un pour vous. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais me garder et quelle couleur je vais vous proposer pour le prochain concours au mois de janvier, puisque ça y est, on a atteint les 400 abonnés. Donc, je ferai un petit concours. Je vous en parlerai plus tard. Alors, j'ai pris ça en tête de, on dirait, Mickey ou Minnie, parce que je trouve ça trop génial. Alors, désolé, pour vous montrer... Actuellement, j'ai un pot comme ça où je mets tous mes stylets. Et je trouve pas ça très pratique. Et du coup, j'avais prévu, voilà, à quoi il va me servir. Juste pour vous montrer. Il y a différentes encoches, hein, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et je trouve ça trop bien. Vous mettez tous vos stylets et c'est plus pratique. Alors, celui-là, il va peut-être le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, il y a plein de toutes petites encoches. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vous donnerai le rouge ou si je vous donnerai le violet. Bon, je pense que je vais garder le rouge. Voilà, je commençais. Donc voilà, je trouve ça trop bien. C'est en sorte de silicone. Vous pouvez poser tous vos stylets. Voilà. Ça s'agrandit. Pardon. Donc voilà, moi j'en ai plein. J'ai les pinces. Donc j'utilise pas forcément les pinces, mais j'aime bien quand même. Bon, ça, vous allez voir toute ma collection de stylets. Donc, celui-là, il est trop beau. On va le mettre devant. Alors, celui-là, par contre, je ne sais pas s'il va tenir correctement. Si, en écartant, en le mettant dans l'autre sens. Ça, c'est les cadeaux de ma fille. Voilà. On va remettre les pinces. Et le petit dernier de ma copine, Cécile. Normalement, ah, et encore une petite pince. Normalement, il y a tous les stylets que j'ai. Voilà. Alors, on va remettre celui-là, là. Ça sera plus simple. Je trouve ça trop bien. Donc, du coup, je vais récupérer ma tasse pour faire mon chocolat. Voilà. Et je vais laisser mes stylets comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, hein? Donc, je trouve ça très bien. Donc, je vais les remettre ici. Et voilà, pour vous, ça fera partie d'un des cadeaux... que je vous mettrai en proposition au mois de janvier. Ensuite, j'ai pris ces stylets. Alors, il faut savoir que BBCraft,
C'est souvent en grosse quantité, c'est pour ça que les prix sont un peu élevés. Donc du coup, voilà, bien emballé dans des petits sachets. Et donc j'ai pris des petits stylets pompons, voilà. Et donc je vais en offrir un à ma belle-fille, voilà. Je vais m'en garder un. Et je vais sûrement en offrir un à ma copine Cécile, je crois qu'elle n'en a pas. Et à ma copine Lisa. Voilà. Et peut-être que j'en mettrai un en concours. On verra. Donc on verra à ce moment-là. Donc ils sont super doux. Alors regardez, il y a des petites paillettes. Donc super jolies. Donc et ils sont trop doux. On va les laisser bien prendre l'air là pour qu'ils reprennent un peu leur forme. Parce qu'ils ont été dans le sachet bien déballés. Franchement, ces crayons, je les trouve super jolis. Bonne prise en main, donc voilà, je suis une fan de stylo, hein, sachez-le. Alors ensuite, ils mettent une petite coupelle, bon, voilà. Ils vous mettent des pains de colle, donc moi je les utilise uniquement quand je fais sur les toiles d'ac, parce que elles sont super collantes, les toiles d'ac, et du coup, quand j'utilise mes stylos avec la panne, avec, mince, la glue dots, j'ai tendance à embarquer la toile avec moi. Donc du coup, je m'en sers quand il y a une toile qui colle beaucoup. J'utilise les pains de colle. Voilà. Et alors ça, donc ça, je pense que c'est pour ramasser les diamants. Il y a une petite pelle de l'autre côté. Et vous avez une pince de l'autre côté. Alors, je ne connaissais pas. Donc, c'est marrant. Bon, j'ai surtout pris pour les stylets. Mais bon, qui sait, des fois quand vous faites tomber quelques petits diamants, c'est peut-être plus facile à attraper. Donc j'ai aussi l'aspirateur, mais bon. Donc voilà. Alors, je vous mettrai les prix dans la barre d'infos. Mais ils sont trop mignons, regardez. On dirait un joli bouquet de fleurs. Et donc voilà. Tiens, on dirait Cécile. Et alors ça, on le fera ensemble. Je vous ferai une vidéo montage. Donc, j'ai pris les fameuses petites boîtes. Alors, je ne sais pas si celles-là sont bien. On verra ensemble. Donc, c'est les boîtes pour ranger les barquettes. Et j'ai offert ça sur le swap de Noël à Cécile en boîte de mousse. Et elle me disait que c'était bien pratique quand tu as une grosse quantité de couleurs. Par exemple, quand tu fais une toile et que tu as 4-5 couleurs où c'est la couleur prédominante, ça t'évite de transverser ton pot. En fin de compte, tu les mets sur ta barquette transparente habituelle. Hein. Alors, par exemple, bon, là, j'ai une blanche. Mais par exemple, tu mets sur ta barquette et donc, tu as la petite boîte qui est montée. Tu ranges dedans. Tu as juste à tirer pour pouvoir prendre ta couleur. Donc, il paraît que c'est bien pratique. Donc, je me suis dit, ben, on va tester. Alors, je crois que je n'ai pas pris une grande. Je crois que c'est une petite. Bon, on verra bien. On testera. On la montrera ensemble. Je ne suis pas une pro du montage. Je crois qu'on va bien rigoler. Voilà, donc je voulais vous montrer ce joli partenariat. Je ne connaissais pas du tout ce vendeur quand ils m'ont contacté. Donc du coup, ben voilà, je les remercie s'ils passent par là, Bibicraft. Et donc du coup, ben, on fera une petite vidéo du montage de la boîte. Voilà, alors je vais vous mettre tout en barre d'infos les prix des produits. Voilà. Donc ça, c'est trop sympa. Franchement, pour ranger les stylets, je trouve ça très bien. D'ailleurs, je vous montre. Encore une fois, voilà, tout est bien rangé. Vous avez vos stylos à portée de main. Je trouve ça génial. Voilà, tout est mis sur le bureau. Vous avez vos petits stylets. Vous prenez celui que vous avez envie. Parce que des fois, on change. Voilà. Et puis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis ben, à la prochaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Et allez voir sur ce site, il y a des trucs très sympas, pas connus. Donc, et franchement, service après-vente, communication, rien à dire, nickel, rapidité d'envoi, pareil. La seule chose de bien faire attention, c'est qu'ils vendent effectivement souvent avec plusieurs lots. Vous n'avez pas qu'un seul stylet. Vous voyez, j'ai pris quatre stylets. J'ai vu qu'il y avait aussi des boîtes de rangement à compartiment. Ils ne les vendent pas par une, ils les vendent par trois ou quatre. Donc, c'est vrai que c'est intéressant au niveau tarif parce que ça fait un lot et ça fait un petit prix plus intéressant que si vous preniez un seul lot. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !